Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo qui vient inaugurer cette nouvelle rubrique sur le féminisme. Alors le féminisme c'est un gros mot un peu, donc c'est pas aujourd'hui que je vais rentrer dans les détails de la définition et moi en quoi je me définis comme féministe, mais dans cette rubrique vous n'allez pas trouver une tribune avec les seins à l'air, non, j'ai envie vraiment dans ces vidéos et dans ces articles de vous parler plus de la place de la femme, plus précisément dans le sport mais aussi dans notre quotidien et comment on peut faire évoluer nos avis, comment faire évoluer notre vision de la femme dans notre propre quotidien, même en étant une femme, mais aussi autour de nous, donc comment un peu s'éduquer, se conscientiser, d'où cette nouvelle rubrique qui n'a pas encore réellement de nom, j'avoue. J'avais beaucoup d'idées, vous m'avez donné beaucoup d'idées puisque j'avais pas mal échangé avec vous à ce sujet, comme Fearless Woman, Women Empowerment, et j'avais vraiment beaucoup d'idées. Puis à posteriori, à chaque fois, il y avait beaucoup de Girl Power, Stronger Girl, bah, comme le t-shirt que je porte aujourd'hui. J'avoue que j'ai une très très large collection de t-shirts un peu Girl Power. Et finalement, j'ai pas réussi à me décider, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas attendre d'avoir le nom d'une rubrique pour échanger avec vous. Bah, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. En attendant, j'ai nommé ça W Doumdidou, voilà, tout simplement. Mais je ne me suis pas attardée sur le girl power parce que j'avais envie d'éviter tout ce qui était girl, et je l'expliquerai un autre jour pourquoi. Parce que j'essaie progressivement de me détacher en fait de ce terme, parce qu'on dit souvent allez les filles, et pourquoi on dit pas allez les garçons, parce que justement on est un peu dans cette opposition, ben, l'homme-femme et la petite fille et l'homme, donc c'est un peu infantilisant, et donc voilà pourquoi j'ai pas retenu le girl power, donc voilà. Mais je sais que je caricature un peu et je m'éloigne en fait du sujet de cette rubrique qui est les courses féminines. J'avais vraiment envie que cette première vidéo soit à ce sujet là, donc n'oubliez pas que cette nouvelle rubrique est fondée sur le partage, sur l'échange, c'est pas une tribune où je vous donne mon opinion, c'est plutôt j'essaie vraiment de partager différents angles en fait sur la même thématique, et aujourd'hui ça va être le cas puisque moi mon avis a pas mal changé justement sur les courses féminines, puisque là c'est pour ou contre les courses féminines, et à vrai dire moi je suis ni pour ni contre, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une course féminine? Alors c'est un événement, donc plutôt en course à pied, qui est exclusivement réservé aux femmes et donc interdit aux hommes, avec soit un engagement un peu associatif, donc contre le cancer du sein par exemple, ou soit juste un peu ludique, où une distance souvent plus accessible est proposée aux femmes, elles peuvent se déguiser ou pas, c'est vraiment juste exclusivement réservé aux femmes. L'argument principal de communication des organisateurs, c'est souvent que cet événement permet aux femmes de débuter, de se décomplexer, d'être en sécurité avec d'autres femmes, en pratiquant une distance accessible, tout en étant dans une atmosphère bienveillante, forcément. Et c'est vrai que l'organisation part souvent d'un sentiment, d'un bon sentiment, hein, puisque c'est vrai que quand on est entre filles, on se dit, bon bah on va pas se juger, on va pas être là pour s'envoyer des piques, on est vraiment dans un univers bienveillant, accueillant. Et c'est vrai que lorsque l'on se lance en fait dans le sport, on est souvent très complexé, on a peur de oh, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, oh là là ils vont me regarder, oh je vais me faire emmerder, et non, mais qui ne s'est pas fait emmerder même en étant en habit de ville? Alors imaginez quand on est en short et en t-shirt à quel point on peut se faire embêter en train de courir. Alors on se dit non, j'ai pas envie que pour ma première course, pour mon premier dossard, de me retrouver avec des hommes qui me draguent et qui sont là en mode Robert 40 ans, oh salut je vais adorer courir derrière toi, ou dis donc tu t'es pas trompé de sas. Ok, non en fait, il y a beaucoup de débutantes qui ont du mal et finalement se disent ben cette course va me donner confiance, va me rassurer et je vais me sentir avec d'autres femmes en sécurité. Et c'est l'argument principal, et honnêtement moi quand j'ai débuté ça me plaisait énormément cet univers là. Pourquoi? Parce que au final la femme elle a un chemin qui est beaucoup plus long à faire que l'homme. Ça c'est, je grossis un peu les traits, pour se mettre au sport, parce que ce n'est pas inné entre guillemets, ce n'est pas naturel de voir une femme faire du sport, elle doit plutôt être dans la grasse, dans la popote, et encore si elle fait du sport faut que ça soit quand même féminin, donc ça soit de la danse, quelque chose vraiment d'artistique, mais faire du sport en mode muscu, running, en train d'exposer son corps, en étant en train de transpirer, n'étant pas finalement à son avantage, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et une femme, c'est forcément, cette vision est totalement en train de changer, mais à la base, la femme,
quand on est jeune, quand on est ado, personne nous apprend à, par exemple dans le cyclisme, à changer une chambre à air, personne nous dit pour la course à pied, tu vas voir, le sport, ça apporte tellement de bien-être, un esprit d'équipe, confiance en soi, tous ces avantages-là, on nous les a totalement, on nous a jamais parlé, on nous a privé finalement de ces avantages-là parce qu'on n'en a jamais mis les pieds dans le sport en disant il faut que tu fasses du sport, tu verras, le sport c'est bien. Alors que pour les hommes, c'est plus naturel d'aller faire du sport, c'est tout ce qui est associé finalement à leur personnalité, parce qu'un homme ça doit être fort, ça doit être comme un chef d'équipe, ça doit être musclé, ça doit s'imposer. Et le sport finalement c'est comme un rite de passage, comme un milieu sociétal dans lequel il va être formé, donc il va apprendre toutes les normes. Or la femme, bah, dans son rôle sociétal, elle a pas besoin finalement d'être une guerrière, elle a pas besoin d'être épanouie, d'avoir des muscles. Tout ce dont elle a besoin c'est d'être une mère, de faire la popote, tenir son foyer. Je caricature encore une fois, mais le sport finalement ça appartient, ça perpétue ces stéréotypes là du monde un peu guerrier, puisque souvent quand on parle du sport il y a un champ lexical guerrier qui est énormément associé avec oui la victoire, la défaite, bref le truc sport c'est un truc d'homme, de vrai. On a du mal à associer la femme et le sport. Or c'est vrai que les mentalités sont tout à fait en train de changer, et je vous le dis hein, depuis que j'ai commencé la course à pied c'est genre le jour et la nuit. Et moi je me rends compte personnellement que ça a évolué, que maintenant on n'est plus avec Robert qui fait des réflexions derrière les fesses, au contraire. Mais je comprends ces femmes qui ont peur du regard de l'autre, qui ont encore plus peur du regard de l'homme et qui ont en fait besoin de cet univers rassurant et surtout avec cette notion de distance accessible pour se lancer. Et en fait de se retrouver un peu entre femmes, entre personnes du même sexe, j'ai envie de dire que ça désexualise un peu notre corps, puisque quand on est avec d'autres hommes, ça c'est une version aussi un peu étriquée, mais quand on est avec d'autres hommes, tout de suite les hommes ils sont en train de se dire ah ben elle est là pour draguer, elle est là pour trouver son nouveau mari, hop elle s'est mise en brassière, c'est pourquoi, c'est pour s'afficher, parce qu'on n'a pas cette habitude de la présence de la femme dans ces sas là, on n'a pas l'habitude de la présence féminine à ce point là. Je dis pas c'est en train de changer, mais forcément entre femmes ça n'existe pas, on est plus en sécurité, on est dans l'accessibilité, dans le pas de jugement, pas de pression. Et c'est vrai que ces courses là bah on profite un peu entre guillemets, parce que, et ça c'est le, donc ça c'était tout le pendant pour, donc quand on débute c'est bien, ça nous permet de nous mettre le pied à l'étrier, de se dire eh bah ça y est, bah si j'ai fait mon premier 7 km je sais pas à la parisienne, et bah je peux faire un 10 km, je peux m'inscrire au semi de Paris derrière ou au semi-marathon de ma ville, et ça donne des ailes. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, bah franchement moi je remercie des fois ces courses là parce que elles ont permis de donner confiance à ces femmes pour atteindre de nouveaux challenges, et ça remplit ce rôle là, et c'est pour ça que ces courses doivent continuer à exister. Mais il y a de plus en plus de biais de production de ces courses, c'est-à-dire bah, le côté rose, le côté girly girl, donc c'est-à-dire girly girl, bah, des papillons, des roses, vas-y qu'à la parisienne on t'offre un sac de lessive, des bons d'achat pour faire tes courses, enfin, donc on est une femme et on reste quand même la petite ménagère. Et donc je parlais de distance accessible, et c'est vrai que souvent ces événements sont organisés en amont d'autres événements, donc je vais citer par exemple Iron Girl. Donc Iron Girl qu'est-ce que c'est? C'est une course qui est organisée la veille des Ironman, donc c'est des triathlons très longue distance, assez masculin j'ai envie de dire. Et là pour le coup Iron Girl c'est le pompon, voilà hein. C'est un papillon, c'est une girl, mais girl ça veut pas dire que forcément c'est que pour les petites filles, hein. non c'est pour les femmes, hein. Et donc pour moi c'est vraiment l'archétype du bon bah on organise une petite course de 7 km, hein, c'est même pas 10 km, pour la femme du triathlète qui va faire sa course le lendemain. Et le petit papillon, la girl. Donc ça c'est juste, pour moi ça me fait très très mal au cœur parce que non tu peux pas organiser ça parce que en fait ça veut dire que l'homme il va faire son triathlon, les enfants ils encouragent et maman elle va faire la petite course la veille, alors que pourquoi on ferait pas plutôt quelque chose de différent pour donner envie à la femme un jour ou l'autre de faire un triathlon. Voilà, non, ça se passe pas comme ça, on l'a réduite, on lui fait une petite course comme ça. Et ça c'est le contre qui arrive pour moi. Pas parce que le contre qui arrive, parce que maintenant je suis plus une débutante, j'ai pris confiance en moi, et quand je regarde ces courses, je me dis mais pourquoi en fait on crée ces courses-là qui en fait sont des distances
Vous allez me dire, ah bah tu disais que c'était des distances accessibles. Mais là pour moi c'est des distances réduites, pourquoi on fait pas un vrai 10 km? Pourquoi on met du Rose? Pourquoi on met du Carrefour? Pourquoi on met du Intermarché? Pourquoi on met des lessives? Pourquoi on met des conseils pour laver ses vêtements de sport? Ça devient un peu ridicule et tout ce marketing genré qui en ressort de ces courses féminines ont donc de m'agacer. Et surtout le contre, c'est aussi on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un homme ne pourrait pas courir contre le cancer du sein? Parce que peut-être qu'il est aussi concerné. Pourquoi un homme finalement ne traversait pas les mêmes étapes qu'une femme? Parce que est encore plus difficile pour lui puisque justement il est censé s'y connaître en sport, il est censé être bon en sport. Imaginez un homme qui se lance dans la course à pied alors qu'il a été nul toute sa vie en sport, alors qu'il a ce stéréotype, il a cette étiquette d'homme fort, d'homme sportif, il aurait encore plus besoin finalement de pouvoir accéder à des courses accessibles comme les courses féminines. Il aurait aussi envie d'avoir un regard de l'autre beaucoup plus tendre, beaucoup plus gentil que se retrouver direct dans un sas de 10 km avec ce fameux Robert qui se moque de lui parce que eh ben dis donc, pourquoi t'es pas dans l'autre sas, pourquoi t'es pas plus rapide? Je caricature toujours. Mais c'est vrai que voilà, une fois qu'on n'est plus débutante, on regarde ses courses et on se dit mais en fait ça commence à me révolter parce qu'en tant que femme, je peux faire un 10 km, je peux courir avec les hommes, je peux même doubler des hommes, je peux être meilleure que les hommes. Et en fait ça fait mal au cœur, mais d'un autre côté, il faut toujours ne pas oublier d'où on vient et pourquoi ces courses féminines existent encore. C'est bien parce qu'on a du mal encore en tant que femme de s'imposer, de trouver notre place et de prendre des dossards, parce que malheureusement des dossards, avoir 50% d'hommes, 50% de femmes, c'est encore super rare en France. Sachez qu'en États-Unis c'est totalement l'inverse, maintenant vous avez quasiment plus de 60% de femmes et 40% d'hommes sur les courses. Là, ça s'est totalement inversé parce que la femme s'est enfin imposée, s'est enfin reconnue et n'a plus peur de prendre des de ça et de participer à des courses. Or en France c'est pas encore, on n'a pas encore cette culture et on a du mal finalement nous en tant que femmes à se dire bah, j'ai ma place moi aussi dans des courses mixtes, et on se cantonne encore à ces courses féminines. Et c'est pour ça que je suis contre aujourd'hui, parce que ça me, enfin contre, voilà, ni pour ni contre hein, comme je l'ai dit, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai de plus en plus d'aigreur face à ces courses féminines, parce que je me dis mais non les filles, non, venez avec nous courir des kilomètres, venez montrer aux hommes qu'on a autant cette place ici et qu'il faut qu'on se fasse respecter et qu'il faut que ces hommes nous respectent surtout, parce que on a le droit à cette mixité, on a le droit, autant le droit d'être là, on a autant le droit que de prendre le départ de ces courses, et ils doivent nous respecter pour cela. Et surtout je trouve que ça nous décrédibilise de regarder ces courses, parce que ah mais oui, mais pour la femme faut que la distance soit plus accessible, faut que ça soit plus comme ceci, plus comme cela, et donc au final on se dit quoi finalement, permettre aux femmes de courir avec d'autres hommes si elles veulent tout le temps courir entre elles. Et je tenais à le rappeler quand même, quand Karin Switzer a couru le marathon de Boston, donc à l'époque c'était dans les années 70, la femme n'avait pas le droit de participer à toutes ces courses hors stade. La mixité que nous avons aujourd'hui, on l'a gagnée. Et c'est dommage, l'apparition de ces courses féminines, on est en train en fait de faire bah, un peu de revenir en arrière en se disant bon bah en fait finalement on veut plus de ces courses mixtes parce qu'on a trop peur, on préfère revenir en arrière. Donc je vous ai présenté les arguments pour et arguments contre. Bon, j'ai essayé d'être la plus précise et la plus claire possible, c'est un peu difficile hein. Au cas où, tout est à l'écrit sur le blog, bien sûr. Mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas à vous dire il faut supprimer ces courses féminines parce que c'est honteux, ça dégrade l'image de la femme. Non, parce que je crois sincèrement que grâce à ces courses féminines, beaucoup d'entre vous se sont mises au sport et ça a été une première marche vers les courses mixtes, vers le triathlon. Et maintenant je suis contre parce que d'un autre côté elles vont trop loin, elles perpétuent une certaine image de fragilité de la femme, de besoin de sécurité, d'accessibilité, alors qu'on est autant capable, voire plus que les hommes, de faire du sport d'endurance. Et c'est dommage de ce point de vue là forcément, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer ces courses. C'est pour ça que ma conclusion c'est, il ne faut pas jeter la pierre sur ces courses féminines, je crois qu'il faut juste comprendre le rôle qu'elle joue et encourager les personnes, les femmes et voire les hommes qui se lancent sur ces challenges là, que c'est bien, c'est une bonne première étape et que ça va leur permettre de découvrir tout un univers, leur donner confiance pour ensuite aller vers des courses mixtes qui vont être aussi accueillantes et aussi bienveillantes. Donc c'est important voilà, de ne pas dire aux femmes non, de ne pas participer à Iron Girl parce que c'est nul, toi il faut que tu fasses un Ironman. Non, je pense que c'est bien si justement l'homme encourage sa femme en disant bah vas-y, fais l'Iron Girl, mais ça va être une super bonne étape. Puis la prochaine fois, on fera un 10 km toi et moi et tu verras, tu seras encore plus heureuse, encore plus fière de toi. Voilà, je pense que ça marche vraiment par étapes et qu'aujourd'hui il n'y a pas de monde idéal, et je suis sûre en fait. Et je suis convaincue qu'il faut passer par ces courses féminines pour qu'ensuite nous en tant que femmes prenions confiance en nous et puissions nous imposer dans cet univers du sport qui est
un peu impitoyable, sans mauvais jeu de mots. Voilà mon avis, qui est un peu long, j'avoue. En tout cas, je suis super curieuse de connaître le vôtre. Pour ou contre les courses féminines, qu'est-ce que vous pensez justement de tout cet univers, ce marketing autour des courses féminines? Donc j'espère que cette première vidéo sur, voilà, un peu féminine, féministe, vous aura plu. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne YouTube, par là, ou à mon Instagram, par ici. Je vous dis à très vite, bye bye!